C'est sa carrière, quoi. Il vient de retourner dans un conservatoire. Il a travaillé pendant 2 ans avec Étienne Pécard. Il a même hérité d'un archer. Pas hérité parce qu'il a payé cet archer. Il a un archer pour lui. $5,000. Malheureusement non, alors que je l'ai écouté. C'est bon, hein. D'accord, on va gagner le premier. Il y a quelqu'un qui s'émerveille.
Joli, c'est joli avant. Faire un film, oui. Vous avez vu son site où il met ses 12 tableaux de la gare Saint-Lazare ? C'est moi qui l'ai fait ici. L'idée, c'était de lui apprendre ce qui était possible de faire. Il a appris. Mais là, je vais le faire parler sur chacun de ses tableaux. Qu'il explique les bouts, les éléments, qu'est-ce qu'il y a dedans. Il me l'a déjà raconté, mais qu'il l'explique pour les autres, que ce soit pas perdu. Vous appelez comment ? Moi, je suis Marie, ouais. Dominique, enfin, Philippe, je peux Dominique. Je peux vous prendre ? Oui, on peut me prendre. Bonjour, Dominique. Bonjour, Dominique, oui. Bonjour. Vous êtes étudiante en architecture, vous êtes peintre ? Ah vous non, êtes, pas du tout, je suis plutôt dans l'écriture. Dans l'écriture ? Ouais, en écriture, écrivain, et dans l'audiovisuel aussi. Ah ouais. L'idée qu'il y a sur ces petits films, c'est de montrer qu'avec ce qu'on a dans la poche, on a tout ce qu'il faut pour faire de la communication. Exactement, oui. Hein, c'est simple, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, oui. On peut tous faire, on peut tous être journaliste. Oui, ça, il n'y a pas de souci. On peut être journaliste. De toute façon, on a des yeux, on a un cerveau pour communiquer. Et ce qui est plus difficile, c'est de communiquer de ce qu'on voit. Ah oui. Voilà. Et c'est formidable avec Philippe. On peut aller au-delà d'une communication basique avec ses toiles, avec quelques toiles, hein, parce que les autres c'est basique. Ouais. Et comme une mort, il faut bien la regarder, il y a toute une histoire. Vous avez suivi ses cours, non ? Non, je ne sais pas ses cours. Je le connais, ça fait d'accord. Des années qu'on se connaît, et il m'explique ce qu'il fait, et je suis rentrée. Même les créoles arrivent à comprendre les. Vous êtes créole ? Réunionnaise. Ah. Donc la réunionnaise n'a rien à voir avec, enfin, il n'y a rien à voir. Il y a des poivres naturels à La Réunion qui sont fabuleux. Ils sont fabuleux. Moi, je m'en sers pour cuisiner parce que je cuisine. J'adore cuisiner. Merci Dominique. Vous le recevrez. Vous êtes dans sa liste de mails ? Oui. Donc vous recevrez. Enfin, vous serez là pour le concert ce soir ? Oui, parce que. Comme plus répété, d'accord. Alors, voyez le monsieur chinois qui est là-bas, qui est juste derrière le diable, le beau diable qu'il y a là. Juste ce monsieur-là, c'est un architecte chinois de renom, de grand renom, qui est venu me voir. Il veut faire des études d'architecture en France. Il veut avoir un diplôme français aussi. Et il dessine, il peint, il photographie, il fait des choses splendides. Il est Ouïghour, c'est-à-dire que c'est la région musulmane de la Chine, à l'ouest de la Chine, entre la Mongolie et le Kyrgyzstan. Voilà. L'idée, je l'ai amené ici pour le faire rencontrer, pour mélanger les cultures. Bah, je suis pour le mélange des cultures, alors c'est bon ça. Bah, bien, là, je vais l'appeler. Yacine. Dominique, que je ne connaissais pas, est une amie de Philippe. Et je lui indiquais qui tu étais, grosso modo, pourquoi tu étais là, en disant, oui, toi, en disant, mélange des cultures. Elle m'a dit, oui, ça m'intéresse. Ah oui, parce que c'est vrai que ça s'est déjà développé, mais on part toujours avec un support. C'est bien, mais c'est bien aussi. Alors, il comprend. Pour l'instant, encore pas beaucoup le français. Et il ne parle pas anglais. Alors c'est un peu compliqué. Non. Chinois, il faut qu'on apprenne le chinois. Ah, c'est chinois, par contre. Il est Ouïghour. C'est cette région de l'ouest de la Chine, musulmane. C'est de là qu'il vient. Mais c'est bien de devenir en France. Ah, mais c'est un courageux. C'est ça que je voulais chercher. C'est un courageux. Courageux. Qui travaille. Fort.
Il vient de sortir. Oui, il est au courant, il est informé, il sait que je viens avec lui. L'idée, c'est qu'il fasse les mêmes études qu'il a fait en Chine, qu'il la fasse en France, qu'il apprenne aussi de ce côté-là. Alors moi, je vous ai pas tout dit. Moi, je suis un pré-retraité de la construction. J'ai travaillé en Irak, en Iran, en Afrique de l'Ouest, sur des grands projets de génie civil. Donc je connais son métier. Je sais aussi les difficultés qu'il y a. Donc l'idée, pour moi, la culture, c'est et la bouffe, et la peinture, et la musique, et le bâtiment. La culture, c'est... Eh oui, évidemment. On a besoin. Évidemment. Ah, mais c'est parfait, c'est vraiment... Et il va pas avoir de difficultés là-dessus. Enfin, non, parce que de toute façon, il va y avoir un interview avec Philippe. J'en ai déjà fait un petit. Non, mais l'idée, c'était qu'ils se rencontrent pour qu'on puisse se voir dans la semaine prochaine, de manière à ce qu'ils suivent ses études à lui, à l'école d'architecture. À la Villette, parce que c'est de là-bas, pas à la Villette, à Belleville, c'est de là-bas que je connais. Moi, je suis le président du conseil de quartier du Bas-Belleville. Ah, d'accord. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. J'ai des activités par ailleurs. Il irait là-bas, à Belleville. Oui, il fera ses études là-bas. Mais on va essayer de créer des sites, de créer des lieux d'échange culturel entre les Ouïghours, évidemment. Évidemment. Pour créer un atelier ou un truc. Évidemment. Le projet, il y a un moment, il faut laisser la place aussi. Hein. Mais il va continuer, c'est bien. Oui, mais c'est bien, parce que j'ai vu depuis. Parce que je suis allée le voir à Belleville, quand il a fait son expo à Belleville, sa re-expo, des 12 toiles. La récupération des tableaux de. C'est bien qu'il continue. Pour ça, je suis là pour toi qu'il n'est pas. Mais là, c'est un bon projet, là. C'est vraiment. Ouais, projet culturel, échange culturel. Échange culturel. Et architecture. Project. Mais il parle pas anglais, ça sert à rien. C'est pas compris. Si vous parlez un petit peu en ce moment. Ah ouais, mais moi je parle vite. Non, oui, c'est bon. Là j'ai un bon project projet qui a développé. Enfin, je donne des mots qui rassurent. Il faut continuer dans cette lancée. Parce qu'il y a une création, il y a une création d'atelier en plus, une création de. Une création de travail. Ouais. Un espace de création. Un espace de création qui va sur le plan européen, mais c'est ce qu'ils recherchent pour leur projet. Parce que c'est un projet européen, ça. Oui. Donc il peut s'inscrire dans un projet européen et d'avoir des subventions. Moi, j'amène déjà la dimension de la ville de Paris. Ça intéresse énormément la ville de Paris de faire des choses, de faire de l'échange intracommunautaire dans les communautés chinoises et parisiennes. Il peut amener un budget en plus pour que l'année d'après. Non, l'année c'est même pas ça le plus important, c'est pas le budget qui est le plus important. Là, c'est les concepts, c'est les idées. Non, mais le concept amènera. Enfin, moi, je suis pour les concepts, mais le concept que ça perdure, ça ne reste pas juste sur une ou deux personnes. Sa région autonome chinoise est la région qui produit, qui progresse le plus en chiffre d'affaires. De tous les Chinois, c'est ceux qui ont le plus gros développement. Non pas en masse, mais en progression. Donc on va en entendre parler. Ça vous donne des frissons ? Non. Des frissons, non, mais des idées pour... Vous êtes qu'on se rencontre... Vous êtes à Belleville, c'est ça ? Moi, je suis Gambetta. Gambetta, oh, c'est trop loin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je vais souvent à Belleville. Tiens, tu peux tenir ça une minute ? Ah, pas spécialement pour me prendre, mais...
Je vais vous donner ma carte de visite. Il marche pas dans le métro. Mais par contre, je renvoie des gens 20 ans après, je leur donne ma carte. Il y en a qui C'est là. Ouais. Moi, c'est vous allez m'envoyer un petit mot, et je serai qui. C'est Dominique aussi. Hein. Dans un mois, j'ouvre à Belleville l'espace de culture de Belleville. Toutes les cultures, je dirais qu'elles ne sont pas des cultures officielles, qui sont dans Belleville depuis 2 siècles, 3 siècles, ont droit d'exister. Ça va être juste au début de l'année. D'ici là, je vous annoncerai. Donc, espace de repas culturel, on échange. Le propriétaire du lieu, c'est un boat people cambodgien. Qui a une histoire. Et c'est terrifiant. Enfin, c'est terrifiant, c'est pas terrible. Oh, je connais aussi. On se rend pas compte. On peut pas se rendre compte. Ce que la culture de la commune qui a prédominé en Asie. Mais il y a comme tout. On pas compte. Ça c'est qu'il en est arrivé, c'est un petit peu comme la traite des Noirs vers les Américains. Il en est arrivé 10%. Les gens qui ont fui des guerres, ceux qui ont fui la région Canton, descendent au Laos, au Vietnam. Il en a survécu aujourd'hui 10%. Est-ce que vous pensez que pour ceux qui sont arrivés à Paris, que Paris c'est vraiment la ville lumière? Aujourd'hui, ce sont des gens républicains. Culture ouverte. Ils parlent mal encore français, leur langue parle français. Ils vont s'adapter à toute culture. C'est pas qu'ils vont s'adapter, ils vont nous apprendre. C'est pas que l'intégration. Ils vont nous apprendre des choses à apprendre. Faut pas leur demander de s'intégrer, de venir, des cheminots et SNCF. Regardez lui qui s'installe. C'est un. Tu vois ça, c'est monstrueux ce qu'il est en train de faire. Et il arrive à rentrer dans un groupe. J'ai parlé de toi à mon ami Akir, le Cambodgien du Kokmi, du restaurant Kokmi. Il a envie de te connaître. Je lui ai dit que je voulais faire la construction des espaces culturels. Et donc ça l'intéresse, et comme j'ouvre l'espace culturel de Belleville chez lui, on va faire des expositions là. Ok. À Aubervilliers. Enfin, il vit dans Paris, mais il travaille chez un industriel chinois de la construction. C'est un petit boulot, ça n'a rien à voir avec ce qui se fait. J'ai un but de perdre aussi. Aujourd'hui, j'ai déménagé à la 13e. Ah oui, tu t'installes ici? Aujourd'hui, je vais déménager. Tu vas déménager où? Oui, je vais déménager. Dans le 13e. Alors, il va falloir qu'on parle de l'école d'architecture du 13e aussi. Parce qu'il y a une école d'architecture ici. Ah oui, c'est moi qui fais leur site. Okay. On va en parler aussi. Elle est près de la BNF, dans le carré des Grands Moulins. C'est là où il y a Diderot, Paris Diderot. C'est grande école aussi, architecture? Non, c'est pas aussi c'est nouveau. C'est nouveau. Pas aussi prestigieux que Belleville ou la Villette. Oui. Je vais te débattre.